Mike, coucou, bien le bonjour tout le monde, c'est moi Léo. Mike, coucou, bien le bonjour tout le monde, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 30, la troisième dizaine de l'aventure continue sur Minecraft. J'ai mon fil de micro qui me gêne. Casse-toi. Merci, voilà. Dans le dernier épisode, j'étais un petit peu fatigué. Là, ça va un peu mieux. C'est la rentrée pour moi. J'étais un peu mort de je sais plus quoi. Le dernier épisode, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'étais fatigué? This is the question. Je me souviens plus. Il fallait que je prévoie des vidéos et je les avais fait un peu tard, je crois. Je ne sais plus. Bref, dans cet épisode, nous allons commencer à utiliser la parcelle qu'on a un peu rasée là-bas. Pour de la jardinerie et surtout de planter des arbres. J'ai été récolter mon champ, j'ai récolté les patates et les carottes. On va aller s'occuper de nourrir les animaux avant. On va tous les nourrir aujourd'hui parce que voilà, je suis d'humeur gentille. Du coup, on va faire quelques petites carottes dorées. Je sais pas combien on peut en faire avec ça. 3. Bon, bah, il m'en faudra que 2, je vais en prendre que 2. Comme ça, on va reproduire un seul petit truc. Hop, voilà. Donc, on a de quoi tout nourrir normalement. Oui, même les moutons, vu que c'est du blé également. J'espère que vous allez bien. Je regarde l'heure. Voilà, ok, c'est bon, très bien. Parce que, comme d'habitude, je n'ai plus de chronomètre maintenant. Donc, faut tout que je fasse au filinge. Au filinge. Alors, bonjour les vaches. Oh la vache. Elle m'a tout regardé d'un air. C'est délicieux. On va s'occuper de faire un peu de jardinage et puis après je pense qu'on retournera en exploration d'un autre côté de la map. J'ai envie de trouver un village, ça fait partie de mes objectifs et j'ai envie de repartir un petit peu en exploration. Du coup, on s'occupera de rechercher un village et ce poulet est d'une dissidence la plus totale. Allez les popoles, je sais pas si ça passe à travers les barrières, j'ai pas l'impression. Attendez, je me s'occupe de vous dès à présent. Allez, poupoule, compagne de blé. De graines, pardon. Venez. Voilà. Allez, faites des bébés. Tout va bien. Ok. That's pretty good. Ouais, désolé, je parle avec mon accent anglais parce que je suis un petit peu bilingue, quoi. Donnez-moi des œufs. Allez, go. Donc, si vous vous souvenez bien, on a rasé toute cette zone et il y a de quoi faire des petits endroits sympathiques pour des arbres. Au moins deux de chaque sorte, on va planter, je pense. Et puis après, on verra si on a de la place. Allez, j'ai dit que je nourrissais tout le monde aujourd'hui. Voilà. Ensuite, j'agrandirai peut-être les champs pour avoir plus de patates et de carottes. Les patates, on s'en fout, mais les carottes, au moins, il m'en faut plus. Ensuite les moutons. Les petits bébels. Voilà, il y en a un là-bas. Reviens là. Je sens que je vais m'amuser après à tous les séparer dans leur petit box là. Je sais pas combien j'en ai, il m'en faut 32. Et maintenant, le petit cheval. Alors lui il a pas encore grandi. Et ben on va prendre les carottes de Way. On va vérifier qu'on peut les monter. Toi c'est bon. Toi c'est bon. Vous pouvez vous reproduire? Toi t'as juste bouffé ma carotte comme un enfoiré. Bon. Eh ben les chevaux ils veulent pas se reproduire, c'est des coquins de toute façon. Voilà. Voilà qui est fait. On va redéposer ça dans notre coffre d'agriculture. Et ensuite, on va prendre un petit peu tout ce qu'on a au niveau des fleurs et tout ça. Et puis, on va faire un truc tout joli ou pas. Tous mes outils font la gueule, en fait. C'est n'importe quoi, ce jeu. Ce jeu me fait du mal. J'ai des pousses de chêne noir. Alors, j'ai pas de pousses de jungle seed, effectivement. J'ai pas trouvé de pousses de jungle. Et ben, il m'en faudra. Alors... On va en prendre 4 de chaque déjà. Hop. On va en prendre 4 de chaque. De ce qu'on a. Il me faudra aussi des arbres des neiges. Puis je crois qu'il y a d'autres trucs maintenant. C'est un peu le bordel. Hop. 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 Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire. On a pas mal de fleurs, mais pas énormément non plus de chaque. Tac.
Pas mal de tulipes. Pim. Pim. Ah, il y a vraiment une shit fleur maintenant, c'est impressionnant. Vel. Tiens, cadeau. Comme ça, c'est bien trié. Ok, bon. Eh ben, on va voir ce qu'on peut faire. Des planches de bouleau. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va voir comment on va délimiter ça. Pour planter nos arbres. Alors. Je pense que déjà, on va s'éloigner de deux minimum. Attendez, voire plus. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait 5 ça même. Je crois qu'on va vite manquer de place. 1, 2, 3, 4. Ah non, ça fait 4, pardon. 1, 2, 3. Et 4. Et 4. C'est les emplacements où je placerai les arbres. Je compte. Je fais des mathématiques, mesdames et messieurs. Donc c'est assez... voilà. Bon, ça nous fait déjà ça. Ensuite, est-ce qu'on peut en placer l'autre? 2, 3, 4. On peut en placer un là. Un placer un là. Un placer un là. 3, 4. On peut en placer un là. On va défoncer cet arbre qui me gêne la vue. Et que je ne trouve pas particulièrement joli. Dégage, monsieur l'arbre. Dégage, je te tape avec une pousse de bouleau, donc tu n'as pas le choix, tu dégages. Voilà. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On pourrait en remettre un là. Ouais, celui-là, je sais pas si on va le mettre. Non, ça fait pas top, top. Ça fait pas top, folichon. Hop. Toi, tu me gênes également. En fait, on va faire les arbres et entre chaque arbre, on va mettre des parterres de fleurs. Voilà, ça sera un petit jardin. Le bouleau, j'en avoir besoin. Il me faut d'autres planches, donc je vais en prendre. Eh, mais attendez. Non, c'est juste un chêne et un bouleau qu'il y a là-haut. Tant pis. Oula. La terre est basse. Il va faire nuit, déjà. C'est fou, ça. Pourtant, j'ai passé la nuit avant de commencer l'épisode. Enfin, bon. Tant pis, tant pis. Alors, donnez-moi des planches de bleu. Des planches de bleu. Tac. Et ensuite, le but du jeu, ça va être de tout entourer pour bien dissocier les emplacements. Hop. C'est chouette, hein? Attendez, on va faire ça autrement. Voilà. J'ai plus de pelle, donc ça servait bien à quelque chose. Allez. Courage. Bon, on va rentrer à la maison, on va dormir, on va reprendre une pelle. Je suis en pénurie de fer, si je me souviens bien, en plus. Donc c'est plutôt cool. On est dans la merde. On est clairement dans le caca. Voilà. Allez, dodo. Ah, ma foi. J'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, je vous dis, j'ai repris les cours. C'est assez fatigant. On perd très vite l'habitude, en fait. C'est assez fou. Et voilà, je suis pressé d'être en vacances. Les prochaines, c'est les grandes vacances, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et j'ai fait une pelle en pierre parce que je n'avais plus de ferme. Faudra qu'on plante mieux les bambous également. Avec un assucre, qu'on agrandisse les champs. On a encore plein de trucs à faire dans cette aventure. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez. Tac, tac, tac. Après, on va tout placer. Ça se trouve, je vais même pas en avoir assez. Je suis même pas sûr d'avoir assez de bois de bouleau. C'est fort probable que j'en ai pas assez. Hop. Comme ça, on en aura notre propre petite forêt d'arbres. Ce sera pas très grande, hein. Et si on est en pénurie, ben, on ira chercher ailleurs. Mais c'est toujours ça de prix. Voilà. Alors. 4, tac, tac, tac,
tech. Pousse en plus, comme si on n'en avait pas assez. Une petite pomme, ça fait toujours plaisir. Ah, je vous jure. M'étonner après qu'on a des coffres pleins de ressources. On loot tout et n'importe quoi dans le jeu. Faudra qu'on se refasse une épée en diamant. Enfin, je vous dis, faut qu'on refasse de l'exploration. De l'exploration minière aussi, parce que on va vite être à courir des ressources. Et de l'exploration de territoire pour trouver d'autres biomes, tout ça, tout ça. Ce qui peut être plutôt sympathique. Et je vais en avoir assez. Alors, j'ai combien de trous? 1, 2, 3, 4... 8, 11. On aurait fallu 12. Ça, c'est pas très mal. Ah si, en fait, on va faire celui-là. 1, 2. Tac, comme ça, ça me fait 12 trous. Et pas assez de boulot. Fuck. Aïe. Allez, zou. Il y a du charbon là-dessous. Très intéressant à savoir. Du bolo, des bolo, des bolo, s'il vous plaît. Ma hache qui fait la tête. C'est infect. C'est... Ce n'est point très pratique d'avoir si peu de fer là. Je ne peux pas faire grand-chose. Allez, donne-moi ça. Voilà. Tac, 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 tac. On va partir par là. On va dépasser la plaine qu'on avait trouvée il y a quelques temps. Où il y a ma grotte dedans et tout. Et on va trouver autre chose. Alors. Je sais pas comment je vais organiser ça. Je vais déjà planter les pousses que j'ai. Et quand j'en aurai des nouvelles, j'en supprimerai au fur et à mesure. Donc pour le moment, j'ai que 3 types d'arbres. On va faire 1, 2, 3 et 4. Tac, 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 et tac, 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 tac. Ensuite, je reprends ma bouffe et mes torches. Ainsi, pour que ça pousse bien. Normalement, ça gêne pas, je crois, les torches. Hein. Techniquement. Voilà, hop, 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 et hop. Par contre, je vais peut-être pas avoir assez de torches, là, effectivement. Concentré pour ce placage de torches de haute technologie, n'importe quoi. Voilà. Ensuite, on va faire des parterres de fleurs. Je sais pas trop comment on va faire, mais on va les faire. Tac, 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 tac. Sachant que j'en ai pas énormément. Alors, comment on va faire? Ça sert à rien de faire le soleil, ce truc, c'est ça? Ce qui est vraiment cool, hein. Si je le mets dans ce sens-là, ça va s'orienter dans le soleil. Bah, mais ça se fuit au fur et à mesure de la journée, non? Alors, ça se met vers là où le soleil se lève. Eh bien... Ça a l'air capricieux, tout de même. Ça a l'air très capricieux. Pef, 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 pef. De l'hélium. J'ai envie d'essayer de décorer un petit peu partout quand même. Avec un petit peu de tout et n'importe quoi. Genre, vous voyez, genre un petit croissant comme ça. Ça ne ressemble pas à un croissant, mais c'est pas grave. Voilà. Devant chez moi, il n'y a plus trop de place. Hop. Où est-elle? Mélanger avec quelle fleur? Des coquelicots. Des coquelicots par-ci par-là. C'est mignon les coquelicots. Ça fait 13 allées de mariage, mais c'est pas grave. Ensuite, on va même mettre un petit coquelicot là.
C'est un petit peu trop serré, ça, je trouve. On va les remettre, on va les replacer. On va pas faire un truc trop uniforme, en fait, je pense. Pour que ça soit pas trop moche. Faire plutôt un truc espacé, comme ça, avec de la couleur, de la vie, de la joie de vivre. Hop, comme ça. Ensuite, peut-être là, on va en mettre un petit peu. Du lilas. Je crois qu'il y en a là-bas en plus du lilas. Avec au centre de ce lilas, des petites tulipes rouges. Voilà. C'est Néo le jardinier aujourd'hui, c'est la joie. Tac, ok, voilà ce qu'il nous reste. Voilà les rosiers. Pour délimiter tout ça, c'est plutôt cool. Voilà. Des petits rosiers. Et puis un petit peu de jaune au milieu. Tac. Je crois que j'ai récupéré un œuf au passage, hein, mais bon, ça, on s'en fout. Je suis concentré. Je place des trucs pour que ça fasse de la couleur et tout. Ça donne de la joie. Ça donne de la joie de vivre à mon univers. Un petit rosier ici, un petit rosier par-ci, un petit rosier par-là, par ici, par là, par ici, par là. Voilà. Ça va faire très jardin, hein. C'est le but du jeu en même temps, j'ai envie de dire. Du moins que ça gêne pas la pousse de ces arbres. Les petits moutons, ils vont vouloir des trucs là, c'est ça? Tac. Un peu de rouge, un peu de jaune. Mais on va déjà être à court de fleurs. C'est fou. C'est fou, ça part très vite. Et c'est vrai que bah, si on en veut, faut refaire pousser de la poudre d'os un peu partout. Tulipe rose. Des coquelicots qui traînent. On va en mettre un petit peu devant les chevaux. Je pense qu'on a pas mal mis de fleurs. C'est plutôt cool. C'est plutôt sympathique. J'aime bien. J'aime beaucoup. Donne-moi ça. Là, j'aime pas trop ça. Il gâche l'entrée. Ça gâche l'entrée. Je veux bien faire le paysagiste. Mais il faut pas trop m'en demander non plus. Voilà, là, on a une belle entrée. Le jardin et tout. Et par là, on n'a pas grand-chose. Voilà. Voilà à peu près comment on fait une décoration florale en quelques instants. Alors c'est pas de l'art absolu, j'en suis totalement d'accord. Hop là. Mais on va regarder un petit peu ce que ça donne de haut, voir si on a une belle vue ou pas. Voilà. Moi j'aime bien. Enfin ça a l'air de rendre cool. On va regarder d'en haut. On va regarder vu qu'on a un joli point de vue de disponible. Avec notre maison. On va même aller regarder avec Monsieur Momo. Salut Momo. Alors on voit pas très bien. Mais ça ajoute de la couleur. Ça ajoute un peu de couleur, c'est cool. C'est sûr qu'on voit pas vraiment vraiment bien, mais bon. Il va déjà faire nuit, c'est pas possible. Il y a un petit peu de fleurs partout. C'est plutôt joli. Et là-bas les arbres vont pousser, donc c'est cool. Voilà une nouvelle chose de fait. Voilà un petit jardin. Alors je sais pas s'il y avait toutes les espèces de fleurs, j'en sais rien du tout. Mais bon. Au moins on a fait ce qu'on pouvait. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ça. Et tac, mais ça là. Hop, faut aller. Dans le coffre à bouffe. On va ranger ça. Ici. On va ranger ça. Ça. On va prendre un petit peu de planche quand même, comme d'habitude. Ça, faut qu'on mette ça en bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? J'ai plein de trucs à faire, comme je vous l'ai dit.Ais de quoi j'ai envie? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai envie? This is the question. Peut-être partir en exploration ou agrandir ces champs-là.
J'ai bien envie d'agrandir le champ de carottes quand même. Je pense que c'est ce qu'on va faire après une petite nuit de sommeil. On va agrandir le champ et après on partira en exploration, chasse à l'Underman, tout ça. Vu qu'on voyagera également de nuit, on tabassera un maximum d'Underman. Alors il va me falloir au programme de la terre. J'ai de la terre. Des barrières, des demi-dalles et des boîtes bolo. Ah, et pas de lag s'il vous plaît. Alors, du bois de boulot. Tac, 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 tac. Et des demi-dalles, des barrières. Tac, et tac. Voilà ce qu'on a pour le moment. On va passer loin celui-là. Donc ça, on n'a pas besoin. Si ça, on en a besoin. Ça, on n'a pas besoin. Tac, tac, tac. Organisons notre espace de travail. Pef, pef. Pef, pef. Voilà. Alors, par où allons-nous passer? Est-ce qu'on a grandi à donner une forme qui ne ressemblerait plus à une forme normale? Je pense que c'est ce que l'on va faire. Un peu comme de l'autre côté. Alors, pour cela, pour ce faire, il faut que je laisse toujours un truc d'eau entre chaque quand même. Pour que ça fasse toujours petit îlot flottant. Ok, 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 papa, ok. Hop. Là, comme ça, c'est mieux. Là, tu préfères. Hein. Là, il y a respect. Tac, 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 tac. On va faire tout ça, on va remplir toute la zone, je pense. Il va me falloir un max de boulot, mais c'est pas grave. Comme ça, ça va nous faire des champs de carottes et de pommes de terre énormes, les citrouilles et les... Et les... comment? Et les... Je vais y arriver. Et les pastèques, voilà. Tout ça pour ça. Ça ira pour l'instant, j'en ai assez, j'ai pas besoin d'agrandir les champs de citrouilles et de pastèques. Mais ça, j'ai besoin d'agrandir. Donc c'est une sacrée architecture. En plus, on n'en arrive pas sur la fin d'épisode. Ça fait 20 minutes. On va pas abuser non plus. Est-ce qu'on remplit tout ça? On va peut-être s'arrêter à ce niveau-là. Je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. Parce que après, ça va devenir un peu trop. Donc ce qu'on peut faire, c'est terminer comme ça. Tac, 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 tic, tac. Donc après on enlèvera les planches qui gênent, hein, qui ne servent à rien. Enfin je sais plus comment on avait fait sur l'autre champ, si on avait laissé ou pas. Enfin je me comprends, c'est mon architecture, c'est mon design. Mon design. De là, on va en mettre une là. Ouais, non, attendez. Tac, tac, tac. Ah! Flûte, crotte de bic. Je vais regarder comment j'ai fait de l'autre côté. Hop, si j'ai fait un truc spécifique ou pas. Là, ça va sacrément agrandir les champs quand même. Il y a une sacrée zone à faire. Alors non, c'est bon, j'ai mis en diagonale et j'ai pas... Ok, très bien. C'est pour savoir s'il fallait que j'enlève les blocs de coin, en fait. Genre ceux-là. Il faut croire que oui. Faut croire que je les avais enlevés. Et qu'il va falloir que j'aille les chercher après. Ça me gratte le sourcil droit, donc je me gratte le sourcil droit. Voilà, je vous dis un petit peu tout. Hein. Comme je vous le répète, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit. On est entre nous, on est bien, on est sur l'aventure continue. Tout se passe bien. C'est l'aventure calme, l'aventure tranquille où on fait des trucs. Hein. Donc si on fait des trucs, c'est que c'est calme et tranquille. Hop. Et qu'on est posé, comme dirait l'ami Swagman, on est posé dans un canapé. En l'occurrence, je suis dans un fauteuil de bureau, mais ça fait office de canapé pour moi. Sauf qu'on peut être qu'un. Il n'y a qu'une personne qui peut y aller. Et du coup, bah, quand il y a des copains, faut prendre une deuxième chaise.
putain, c'est triste. J'arrête, désolé, je ne m'invente plus de scénario, c'est fini. C'est fini ça maintenant. Allez, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Comment on va prolonger ça? On va prolonger ça comme ça. Ça fait, ouais, ça fait un angle chelou, mais j'aime bien. J'aime bien, moi, ça me dérange pas. Désolé les carottes. Ensuite. Donc, voilà. Comment j'ai fait là? Je les ai fait flotter au-dessus de l'eau, c'est ça? Non, oui, je les ai fait flotter au-dessus de l'eau, les petits pylônes. Et maintenant... Tac, donc là, ça sera diagonale à ça. On enlève le surplus de bois qu'on récupérera, hein, bien sûr, parce qu'on va en avoir besoin. Fuck. Fuck. Allez, jump pastèque. Oh, tu t'attendais pas à celle-là. J'aimerais refaire une hache, s'il vous plaît. Je me contente d'outils en pierre, vu que je n'ai plus d'outils en fer. Ce qui est un petit peu embêtant. Tech. Tac, je regarde un peu l'heure. Oui, il nous reste encore un petit peu de temps. Je sais pas si on va le finir. Je vais essayer de le finir dans cet épisode, mais j'ai pas envie de faire trop déborder non plus. Donc, ce beau champ uniforme qui avait une forme totalement ronde totalement rectangulaire, j'ai envie de dire, pardon. Eh bien, ne l'a plus. Parce que ça devient un vrai champ de champion. Désolé, je ne savais pas quoi dire. J'ai pas vraiment calculé aussi. Bon, je pense que si, il y a moyen que ça fasse pas 4, 2. Enfin. 1, 2, 3, 4. Cette ligne noire doit rester irriguée. Enfin, ça doit être de la flotte, quoi. Vous m'avez compris, hein? Je vous dis, je suis pas un fermier, je suis pas un agriculteur. Je suis un nudiste. Même dans la vraie vie. Oui, si, je vous assure, vous. Je ne sors plus avec des vêtements, j'en ai marre de tout ce tissu en trop qui recouvre ma peau. Il faut laisser notre vraie nature s'exprimer, et le nudisme, c'est la chose parfaite pour le faire. Et j'en suis très fier, monsieur, j'en suis très fier, oui. Après, il fait un peu froid, des fois. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais bon, j'avais prévu de la terre. En plus, j'en ai plein dans mon coffre à merde. Voilà, on va même couper ce truc-là. Hop. Comme ça a un peu plus de gueule. Enfin, j'avais prévu de la terre, mais j'en aurais pas assez. Ce qui n'est pas très grave. Hein. J'irai en rechercher, ma maison est à quelques pas d'ici. Faut qu'on finisse le toit de cette maison également. Je me répète avec tous les objectifs que j'ai à faire et tous les petits trucs à la con, mais... Mais voilà, il faut le faire. Et je ne l'ai pas encore fait. Alors, je sais pas si j'ai pas fait exprès, sans faire exprès. Oui, c'est très logique ce que je dis. De laisser le petit courant de rivière, mais j'ai l'impression de l'avoir placé parfaitement. Tac. Tac, 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 tac. Oh, un bloc de terre, ce n'est pas possible. De toute façon, on va reprendre un stack, comme ça on l'aura sur nous. Tac. Et on va ensuite prendre toute la poudre d'os qu'on a pour faire pousser correctement. Je sais pas encore comment je vais répartir ça. Voilà. Là, normalement, tout est irrigué. Ou pas. 1, 2, 3, 4. Ouais, non, là, faut que... Non, je vais pas la mettre là. Je vais l'arrêter avant et puis... Voilà, je vais la faire passer là. Voilà. Là, ça sera pas mal. Hop, 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 et hop, voilà, impeccable. Donc là, normalement tout doit être irrigué. Normalement tout est irrigué. Hein. On va placer la demi-dalle. Hop, sauf elle, parce que j'en ai pas besoin. Il faudra plus de barrières également. On place les demi-dalles, et puis on s'arrête là pour l'épisode. Hop, et moi je continuerai dans le prochain. Peut-être que j'irai collecter du bois dans notre magnifique fermette. On va aller voir ce que ça donne. Oui, j'appelle ça une fermette, mais c'est une pépinière, je crois. Connerie du genre. On va juste finir avec ce qu'on a. Parce que je suis pas non plus un vilain garnement.
Ah, flûte de crotte de Picassor. Voilà, on garde ça. Et là, normalement, j'ai assez. Tac. Ah ouais, là, ça a de la gueule. Je veux pas me propler. Oh, flûte. Rends-moi ça. Oh oui, plein de trucs en dessous. C'est génial. Les fonds marins de mon petit lac. C'est cool. Il va encore faire nuit. Bon, c'est génial. La nuit, enfin, les jours passent super vite. C'est impressionnant. Et voilà. Alors, je vais arranger ça autrement. Je pense que le mieux à faire dans ce cas, c'est de creuser là. Voilà. Ça me convient mieux. Et voilà, on va placer les barrières qu'on a. Je crois que je faisais comme ça. Tac. Tac. Pas comme ça, parce que ça c'est nul et que ça fait un trou dans l'eau. Je me demande si un jour ils feront en sorte que l'eau... Enfin, que le poteau soit complètement recouvert d'eau et fasse... Merde. Fasse pas merde, mais fasse... Enfin, il soit complètement dedans, quoi. Qu'il n'y ait pas un trou de vide qui ne ressemble à rien. Ça serait plutôt cool qu'il le fasse. Voilà, c'est mon idée du jour pour Mojang. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle ne vous plaît pas? Votez dès maintenant, au 3615 à l'Opère Noël. Je suis de plus en plus mauvais avec mon humour en ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'en suis navré. Voilà! Évidemment, j'ai pas ma houe. Eh bien, voilà, on a agrandi les champs. On n'a pas encore fini, hein, bien sûr. Parce que c'est long. Du coup, je pense que les patates, on va les faire sur le côté gauche. Et les carottes sur le côté droit, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de carottes. Voilà, pour les cochons et tout ça. Tac, tac. On a quelques... Ouais, on a pas mal de poudre d'os à utiliser. On se retrouve très, 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 très vite d'ici. Alors, normalement, après ça, ça devrait être Zelda. Magic Neo, Zelda. Bah, d'ici 4 jours, en fait. Je crois que c'est ça, ça fonctionne comme ça, ça fonctionne tous les 4 jours. Ah, je voulais aller voir ma pépinière qui a l'air d'avoir bien poussé. Ouais, ça a de la gueule. Moi, j'aime pas, j'aime bien. Mais je vais peut-être continuer le chemin jusqu'au bout quand même, comme j'avais fait là. Ouais, c'est plutôt cool. Franchement, on a notre petite base. On est tranquillement installé, il n'y a pas de monstre. Je suis en normal pourtant, mais c'est suffisamment bien éclairé. On va aller voir notre petit jardin, on va prendre le chemin de fleurs. Et on va s'arrêter là. Si l'épisode vous a plu, ce petit épisode de... Néo le fermier, enfin numéro 2, parce que je crois que j'avais déjà nommé un épisode Pablo le fermier, un truc comme ça. Regardez ce petit chemin de fleurs. Et bien, n'hésitez pas à laisser un pouce vers un commentaire, à vous abonner à la chaîne également. Alors lui, il a tout compris. Vous abonner à la chaîne également, c'est totalement gratuit. Et je perds des FPS quand j'entre là-dedans. Non, c'est bon. Celles, eux, ils ne veulent pas pousser. Ils sont dissidents. Et ben ça rend plutôt bien, j'aime pas mal, je vais compter les moutons. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter, à vous abonner à la chaîne, c'est dans la description, un mouton, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moutons. Et ben on a un quart des moutons, c'est plutôt cool. Lul, fallait pas venir là. Voilà, on s'arrête là pour cet épisode, et puis moi je vous retrouve très prochainement pour un prochain épisode. On va aller se prendre un petit point de vue. Un petit point de vue d'en haut, voilà. J'aime bien monter en haut. C'est mon petit sanctuaire. Faudra qu'on fasse de l'alchimie aussi. Parce que je prépare tout plein de trucs, mais j'ai pas encore commencé l'alchimie. Cette aventure n'est pas prête de s'arrêter, je pense. Il y a encore pas mal de trucs à faire devant nous. Du moins sur le Minecraft Vanilla. Et toi, je vais te péter la gueule. Bonjour. Merci, c'était l'Underpearl de fin d'épisode, ça tombe super bien. On se retrouve prochainement. Et ça nous fait 6 Underpearl, la moitié est complétée, tout. À la prochaine, ciao bye, bisous sur vos fesses et caresses sur le bout du nez.